J'ai rechargé mon clavier, c'est nickel. Hein Vous êtes là Ok. Bon bah du coup, yo, salut à tous et à toutes, les amis, c'est Foule. J'espère que vous allez bien. Bah moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement euh, pour une vidéo en 30 juin, euh, fin de semaine, où du coup, bah moi j'ai terminé un petit peu euh, on va dire le côté organisation, le côté... Euh, parce que oui du coup j'étais... C'est vrai que le contenu de la chaîne euh, était plus ainsi basé sur le RP. Euh, puisque de toute façon si vous êtes sur mon Discord vous êtes au courant de, de, des choses euh, et vous savez que pendant un petit temps j'ai pris un petit peu de recul sur Twitch et euh, Youtube. Et euh, du coup voilà. Et aujourd'hui je vous fais de cette petite vidéo face cam, noir et blanc. Hein. C'est pas que je suis devenu blanc-blanc, c'est -blanc, hein. que euh, là j'ai mis en noir et blanc. Voilà. Je suis... Je fais une petite entrée parce que oui, hein, le décor derrière, faut bien que j'en joue. Puisque bah, le décor, il est fait pour vous aussi derrière. Euh, et comme vous pouvez voir juste derrière, il y a les canettes d'à l'époque. Où j'avais pas encore mon PC euh, euh, gamer, où j'avais fait un live 24 heures. Bon, j'avais pas bu tout ça, hein, j'en ai fait plusieurs, calmez-vous. <laughs> Mais euh, voilà, en gros, il euh, faut bien que je joue, que j'en joue de ce décor qui est derrière moi. Euh, vous pouvez voir que les tableaux juste euh, là, voilà, euh, eux derrière euh, ont changé, puisque je les ai un petit peu mis en longueur à la place de les mettre en, en carré. Mais bref, c'est pas le sujet. Moi je voulais parler, euh, vous parler de certaines choses sur la chaîne, on va parler aussi de, de la chaîne, on va même regarder la chaîne, les commentaires, etc., le nombre de vues, etc. Euh, mais juste avant, moi je voulais vous parler, j'ai fait toute une liste pour histoire que la vidéo ne soit pas trop longue non plus, et euh, pour ne pas euh, bafouiller le plus possible et trop souvent. Euh, donc voilà, moi je voulais vous parler, déjà on va parler de la saison 1 et la saison 2 de Serial Killers et on va parler aussi de la saison 3 qui est là chez ceux, chez ce pardon, j'ai bugué. Euh, et on va aussi parler euh, du coup de ta life Roleplay, donc euh, pour X la Xbox et concernant la chaîne YouTube et Twitch et les projets euh, à venir. Bon, je vais pas vous le cacher, il y en aura pas beaucoup des projets, euh, sauf que du coup, euh, c'est ce tout que je vais vous dire s'il y a des choses qui vont continuer ou pas. Et euh, du coup, voilà. Et... Pourquoi je vais parler d'abord des saisons de GTA RP que j'avais fait sur Xbox sur la chaîne euh, Parce que évidemment, évidemment, ça va continuer. Mais bref, on va en parler euh, sur ce sujet-là. La fiche, elle est juste là. Je l'ai écrite exprès pour vous. Oui, il y a deux côtés. Hein. Il y a le côté là. Euh, oui. oui, merci. Le côté là et le côté derrière. Voilà. Euh, mais du coup, le petit côté euh, là, c'est le plus important puisque bah, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez euh, très clairement. Donc, euh, commençons dans le vif du sujet réellement. Donc, la saison 3, euh, saison 1, Serial Killers, pardon. Euh, donc, euh, donc, ces saisons, parce qu'il y en a eu deux, hein, les deux saisons Serial Killers et une. Donc, ces saisons, ces saisons étaient un, un test de la chaîne. Euh, mais je voulais aussi vous prouver à tous euh, que, euh, personnellement, moi, je m'en fiche hein, de perdre un personnage ou non. C'est qu'un jeu, c'est qu'un personnage, c'est euh, quoi que ce soit. Et euh, sur cette première saison, euh, j'ai voulu créer une petite histoire avec Zoé Hertz. Euh, qui est tout simplement, enfin euh, euh, que je n'avais jamais fait au passage sur la chaîne, euh, et euh, du coup qui est une céréale mais méaqueuse, puisque je le rappelle qu'elle avait un téléphone euh, qui lui permettait d'acquérir certaines personnes, d'acquérir certaines informations, euh, dont le nom de... Euh, le, dont le nom céréale euh, mais euh, c'était aussi la plus jeune avant Alastor, parce qu'Alastor, euh, on, on durait de, de, des céréales dans l'histoire, Alastor à à la est, est le dernier à être arrivé dans les séries, euh, et que du coup Zoé euh, était un petit peu euh, la mentor d'Alastor, mais Alastor était aussi du coup euh, le conseiller, on va dire, de, de, de Zoé. Euh, et concernant du coup précisément la saison 2, euh, là, ça j'ai commencé petit à petit, vraiment de saison en saison, à vouloir essayer de vous prouver un petit truc euh, du sens. D'aller vers le beaucoup plus sérieux. Alors attention, hein, saison 1 et saison 2, ils ont tous les, toutes les deux été euh, euh, sérieuses en soi. Euh, mais voilà. Les, la saison 2, euh, donc du coup, je voulais vous, pr vous prouver que tout, quand tout est fait dans les règles, moi ça ne me dérange pas de perdre un personnage, il n'y a aucun souci. Et évidemment, je vous prouvais ça de, du sens euh, que euh, sur les anciens serveurs, pas mal de gens voulaient prouver alors que c'était totalement de bullshit, euh, que euh, euh, je voulais toujours gagner dans le roleplay. Euh, non, en fait, c'est juste que la majeure partie des choses étaient euh, euh, pas faites dans les règles, avec du metagaming, du HRP, etc. Et euh, du coup, non, en fait, je n'accepte pas de perdre un personnage, surtout si ce n'est pas fait dans les règles, ce qui est tout à fait normal euh, en soi. Euh, et pour la fin de la saison 2, j'ai voulu marquer l'histoire de The Hurt, euh, donc certes avec une fin assez triste, euh, mais... Euh, donc en gros la saison 1 et 2, hein, c'est juste un lancement de Taf Life Roleplay à la base et euh, c'était surtout un test pour euh, vous prouver qu'une fin de personnage, euh, quand elle est faite dans les, dans, dans les règles, et bah tout simplement je l'accepte et euh, au moins euh, c'est fait. Le, la fin de le personnage est faite moi je repasse à autre chose et voilà. Euh, la saison 3, qui se termine d'ailleurs, euh, bah, qui s'est terminée la semaine dernière pour vous du coup. Euh, ben moi, en fait, je fais cette vidéo, on est le, à peu près le 23 euh, juin, euh, donc une semaine avant, euh, et euh, globalement, euh, vous, euh, vous l'avez encore euh, vu, euh, certainement, moi j'ai fait cette vidéo, mais euh, pour la semaine où elle sort cette vidéo, la saison 3 est terminée. Donc la saison 3 c'était la sécheuse et euh, alors pourquoi déjà j'avais comme j'ai dit saison 3, 1 et 2 et 3 j'ai pas trouvé un nom sous prétexte que ça va être un personnage qui va tuer des joueurs ou qui va tuer des gens euh, au fait serial killers déjà c'était euh, un RP on va dire euh, euh, tout simplement son passé Zoé a voulu changer de vie mais elle n'a pas réussi globalement puisqu'elle s'est fait coffret donc arrêté. Et euh, la sécheuse, donc Cassandra Smith, elle, c'est une Anglaise et Irlandaise, à la base, à la toute base, euh, qui elle aussi a décidé, à la base, était partie de se venger euh, pour son enfant et l'homme qu'elle aimait, euh, à l'époque en Irlande, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, cette personne-là a voulu, enfin, euh, euh, Cassandra a, a voulu se venger déjà, avant de, de passer sur une autre, une autre vie. Et, euh, et avancer dans la vie. Euh, et, sauf que, globalement, euh, bah, tout ne s'est pas encore géré. Euh, tout n'a pas été fait globalement comme elle le souhaitait, puisque, bah, du coup, malheureusement, euh, Jeff, à qui elle s'est attachée à bout d'un moment, euh, a été mis en prison. Et du coup, elle a décidé de faire un dernier coup pour Jeff, au niveau de l'entreprise la, la, d'aérospatiale. Et euh, du coup... Euh, D'utiliser toutes ces économies pour faire de la chirurgie esthétique, euh, changer son ADN, etc. Donc là, il va y avoir la suite euh, prochainement pour euh, la saison 4, qui évidemment. Vous avez dû certainement voir une bande-annonce jeudi dernier, une euh, première bande-annonce on va dire, qui est plutôt l'outro, euh, et je pense que globalement euh, vous aurez euh, jeudi là, de, de, du coup pour vous demain, euh, la suite, enfin euh, l'introduction de la saison 4 euh, qui arrivera très prochainement. Donc voilà pour les, les parties saison 1 et 2. Euh, globalement, moi, euh, c'est comme ça que je voulais, je voulais le faire. Euh, parce que je voulais vraiment changer un petit peu du thème de, de qualité de vidéo, du thème de qualité d'histoire. Alors certes, il y a des fois des scènes qui ne bougeaient pas des masses, mais j'ai voulu vraiment faire vraiment une histoire à proprement parler. Euh, chose que je n'ai pas pu faire sur euh, mes autres vidéos euh, quand j'avais euh, fait euh, avec euh, l'époque. CVF Life pour la Xbox et Scener Life. Ces deux serveurs-là pour la Xbox, j'ai jamais pu faire ce genre de truc parce que bah, j'ai toujours été euh, appelé en tant que staff, parce qu'il y avait du HRP à l'autre bout de la session, parce qu'il y avait euh, euh, une embrouille ou quoi que ce soit. Et euh, là, Taf Life, et d'ailleurs on va en revenir, euh, mais Taf Life en fait est devenu beaucoup plus qualitatif que les autres. Euh, les joueurs peuvent faire leur scénario, peuvent faire leur machin, peuvent prévoir des choses sans être. Tout en sachant évidemment que le roleplay, tout peut être chamboulé, mais euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent prévoir les choses sans euh, avoir un empêchement, tout en sachant ben, évidemment qu'ils gardent en tête que dans le roleplay, euh, tout peut prendre une autre tournure. Et concernant justement TAF Life Roleplay, euh, nous avons fait tout simplement le serveur euh, pour les joueurs Xbox, globalement, euh, voulant faire du Serious RP, donc en français du sérieux, hein, euh, voilà, avec des personnes de qualité plutôt que le nombre, puisque maintenant TAF Life ne se base plus sur le nombre en session, euh, il se base plus sur le nombre de personnes qualitatives que de personnes nombreuses. Euh, mais aussi, on a, on a retiré, on a décidé avec Tough Life, de retirer tout ce qui était à la base de GTA, c'est-à-dire que on a retiré tout ce qui est gang, on a retiré le principal du gros ill illégal, on a gardé une petite partie de l'illégal, et on a réadapté sur certaines euh, lois illégales californiennes, euh, sur certaines choses, et euh, voilà. Par sous, moi je compte continuer euh, sur console mes vidéos GTA RP, euh, sur Xbox au lieu de sur, de, sur PC, euh, pour me consacrer déjà à la communauté RP Xbox que, et surtout parce que, euh, aussi, vous le savez, pour ceux qui sont sur le Discord, j'ai rejoint l'équipe Law Enforcement, Low Enforcement euh, sur PC. Et pour l'instant, moi ça me plaît et je préfère rester comme ça pour l'instant en tous les cas. Euh, et d'ailleurs, hein, si vous souhaitez rejoindre TAF Life, je vous mets le lien du Discord et du serveur pour vous faire votre euh, cet été et venir nous rejoindre puisqu'il y a un gros événement qui arrive très prochainement euh, sur le serveur et euh, euh, un événement RP. En sachant que tout le monde est les bienvenus à partir de 16 ans, euh, voire 15 ans mais c'est très rare malheureusement la plupart du temps des gens qui sont 15 ans soit leur whitelist elle est jugée incomplète ou soit euh, ils ont passé l'expérience et du coup malheureusement bah, 15 ans euh, souvent c'est quand même assez rare. Je crois qu'on a qu'un seul joueur qui est encore là présent, qui a 15 ans. Euh, et encore, lui, on, il est encore en, en stade de, de période probatoire. Parce que, oui, il y a des périodes probatoires pour les joueurs qui viennent d'arriver, qui vont de 1 mois, 2 mois et 3 mois maximum. Concernant la chaîne YouTube, et du coup, c'est après, on va passer sur mon écran euh, pour vous montrer la chaîne, etc. Les tournures qu'elle a pris, etc. Pour la chaîne YouTube, euh, bah, je compte continuer, vous aider, vous. Euh, pour les vidéos Red Dead Online, GTA Online mais euh, précisément le plus pour euh, Red Dead Online parce que en Online Je ne ferai que des Rockstar Newswire ou des vidéos euh, AID que si vraiment Rockstar décide de se bouger un peu plus sur le fait du contenu et euh, éviter je, En fait ça commence à me saouler de faire les Rockstar Newswire pour GTA Online et de lire que Rockstar, euh, au lieu de donner des items bien plus importants, euh, bah, il continue à vouloir donner des vêtements et il continue à vouloir donner des camouflages, euh, des trucs bah, en fait, qui sont juste esthétiques en soi, en soi sur le jeu. Et euh, pff, voilà, donc en fait, en vrai, les nouveautés de, de, de GTA Online, moi je me rends bien compte, il n'y a quasiment plus de nouveautés. Là, il va y avoir une mise à jour, on va voir ce que ça va être. Euh, mais. Euh, quand il y a une mise à jour qui sort, c'est souvent que des, des skins qui sont donnés, que des, 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 des camouflages, que des vêtements qui sont donnés. Il y a jamais, il y a plein de trucs que Rockstar pourrait euh, donner aux joueurs et qu'ils ne le font pas. Ils ont peut-être donné allez, une voiture gratuite une fois, euh, euh, peut-être euh, dans l'année, une ou deux fois dans l'année, euh, et encore après, ils les auront foutu, re, refoutu payantes. Mais euh, voilà. Euh, évidemment, je vais continuer. Les LSPDFR euh, évidemment sur PC, les épisodes de LSPDFR, ça va continuer, etc. Ne vous inquiétez pas, ça, ça, ne, va, ça ne va pas s'arrêter. Je ferai aussi également des lives YouTube LSPDFR, comme je l'ai commencé chaque dimanche à 16h30. Euh, bon, ça sera des lives en simultané entre Twitch et euh, YouTube du coup pour le moment, pour, pour le moment, puisque OBS est des fois capricieux et donc du coup c'est plus stable quand je stream sur les deux plateformes. Donc du coup vous pourrez me choisir votre plateforme entre YouTube et Twitch et, euh, pour les LSPDFR euh, et évidemment les vidéos GTA, RP Xbox One continueront sur la chaîne évidemment euh, puisqu'il n'y a pas de raison que je les arrête actuellement. Et euh, concernant la chaîne Twitch, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à stream plus sur Twitch que sur YouTube. Évidemment, je continuerai à stream quand j'aurai l'envie de faire mes streams et euh, surtout principalement quand il y aura des choses de précis à streamer euh, et, euh, ainsi que d'autres projets euh, qui est aussi, je l'espère, à un moment ou un autre, euh, stream sur l'Enforcement Enforcement sur Twitch. Puisque oui, je ne streamerai pas malheureusement sur Law Enforcement, mais sur Twitch. Puisque euh, YouTube, je compte plus prendre des petites séquences de la plus tard. Quand je streamerai sur Twitch, je prendrai les petites séquences pour les, les mettre sur YouTube. Donc euh, évidemment, vous avez ma chaîne Twitch dans la description. Et aussi, on va aller à façon sur la chaîne. Je vais vous montrer euh, toutes les informations, etc. que vous pouvez avoir. Voilà. Je, pas... je suis content de moi parce que j'ai fait ça pour éviter de bafouiller le plus possible. Et essayer de me relire au cas où j'oublie un truc, mais je l'ai pas vraiment totalement complètement lu, j'ai regardé de temps en temps, mais c'est tout, donc je suis content de moi, bref, du coup merci d'ailleurs aux 900 abonnés, euh, oui parce que mon écran est là, je vous regarde là, mais le, 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 mon écran est juste là, merci aux 900 abonnés, on arrive bientôt aux 1000, hein. on est dans 100, on va dire une centaine d'abonnés, euh, on, on sera aux, aux 1000, aux 1000 abonnés, euh, franchement, ça fait plaisir qu'il y a quand même des gens qui s'abonnent, qui viennent, qui viennent soutenir la chaîne, même si vous vous commentez pas forcément, même si vous likez pas forcément, ça fait quand même plaisir que vous soyez là euh, à soutenir la chaîne, à vous abonner, etc. Euh, mais de toute façon on va regarder la chaîne ensemble et on va voir les commentaires, les différents commentaires, etc. Alors, euh, hop, on va regarder la chaîne. Donc vous voyez, vous pouvez voir que de toute façon, euh, en gros, euh, si je vous tape... Euh, alors hop, je vais retirer ceci. Si je vous tape... Euh, oh, bon, on va taper saison. Hop. Voilà, vous pouvez voir que mes miniatures, quand même, je les ai quand même pas mal améliorées à, par rapport à euh, maintenant. Euh, clairement, avant, c'était, euh, voilà, des miniatures toutes simples. Hein. Je vais agrandir celle-ci, mais regardez, c'était une, une miniature toute simple, euh, voilà. Et euh, voilà, c'est un petit côté que je me suis amélioré, c'est sur les miniatures. Voilà, je, je fais un petit triangle. En plus de chaque saison, je change la couleur. Euh, bon, pour les hors-série, je reste sur la couleur verte parce que euh, c'est la couleur Xbox de base. Pour les bandes, je reste aussi sur la couleur verte. Mais pour par exemple la sécheuse, euh, c'était tout simplement en rouge le, le petit triangle que je mettais. Euh, et, et il me semble que pour la, la saison Serial euh, Killers, on était sur aussi une autre couleur. Il me semble. Euh, LSPDFR, je laisse sur du blanc, évidemment. Et euh, pas mal de choses comme ça, donc je jamais l'erreur. J'ai commencé à refaire une nouvelle série 100% immersion qui est euh, Horizon Zero Dawn, complète édition. Euh, bon, je vois que ça vous plaît plus ou moins, mais en même temps c'est normal, je ne commande pas. Et en plus de ça, euh, c'est juste une, un, en gros sous forme d'épisode et c'est sous forme de 100% immersion pour que vous soyez immer immer dans l'immersion de, de l'épisode, pardon. Vous voyez, quand j'écris pas, je bif, bafouille. Euh, donc, du coup, voilà. Euh, L'agent douche, je suis aussi resté sur la couleur verte aussi de base. Euh... Voilà, bon, il y a aussi des trucs qui vont arriver cet été. Je vais vous mettre les. À un moment donné, ça, ça va pop hein, sur la chaîne. Là, pour l'instant, vous pouvez voir qu'il y a 2-3 deux, trois, deux, trois streams. Enfin, 3 streams de Red Dead en aventure qui sont encore en privé, mais qui vont arriver cet été, bien sûr. Euh, et pour vous dire le truc, euh, voilà. Bon, aussi, vous pouvez voir que là pour la V2, rien que pour la V2, j'ai euh, euh, aussi amélioré mes miniatures et on est quand même à 62 de vues aussi. Comme quoi ta Life est quand même beaucoup plus qualitatif, ne, ne serait-ce qu'on se voit en vue, et ça, sera, ça se voit aussi dans mes vidéos euh, actuellement. Et ça se voit aussi, euh, si vous, vous faites votre liste, vous verrez que euh, niveau comportement des joueurs, niveau des scènes RP, les scènes RP sont quand même beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus quali euh, qu'autre chose. Regardez là par exemple pour le hors série, j'ai encore fait hein, une vieille miniature à la con, euh, et après je me suis rattrapé pour le reste. Euh, ah oui, la saison 3, au début je faisais un petit cercle pour la saison 3. Mais voilà, j'essayais quand même d'améliorer un minimum et surtout un maximum. Vous voyez, Serial Killers, c'était encore un triangle vert avec un petit peu euh, des euh, des trucs comme ça. Voilà. On va regarder vite fait les commentaires euh, de la chaîne. Alors, hop, j'ai plus de. Comme quoi, hein, vous avez la preuve, <laughs> je, je réponds à tous les commentaires. Et euh, voilà. Bon, du coup, euh, on va essayer aussi de répondre, même si j'ai déjà répondu ici. Euh, donc, du coup, bonjour, comment euh, tu arrives à faire des vidéos sur Xbox Alors, il est hyper simple, euh, tout simplement. J'utilise euh, le compagnon Xbox qui est juste là. Euh, donc, en gros, je lance. Voilà, c'est ça qui, ça qui se lance hein, le, le truc. Et euh, ce que je fais, c'est que, bon, là, je vais pas le faire parce que la console était teinte. D'ailleurs, what the fuck Pourquoi tu me fais ça, toi Voilà. Euh, et en gros, euh, je fais activer et après, il y a une autre barre qui s'active euh, pour. Euh, tout simplement, et je diffuse sur mon écran, et du coup, là, avec le logiciel avec lequel je règle pour vous faire cette vidéo, et eh bah, ben, je, euh, je capture mon écran avec le, le logiciel. Voilà. Euh... Voilà, bon, on a toujours GG, voilà, qui a un métier, machin, médule, bon, bah, bref. Euh, C'est quoi le lien du, du serveur RP Alors, évidemment, sur cette vidéo, bah, il, le lien sera dans la description, et d'ailleurs, la, la description sera un peu plus modifiée euh, après cette vidéo, et... Pendant cette vidéo. Euh, donc euh, voilà. Donc Jeff Venner, c'est si rare. Bon, ça c'était pour l'épisode où du coup elle, elle, elle essayait d'expliquer son lourd fardeau. Hein. Voilà, je ne vais pas vous, trop vous spoiler. Si vous avez pas vu, je vous invite à la regarder. Euh... Voilà, bon, il y a une personne, il sort cette semaine la mage. Oui, non, euh, non, non. La mage sortira en juillet <laughs> pour Red Dead et GTA 5 Online. Euh, comme, tout, comme tous les ans, de toute façon. Et, euh, et puis voilà. Voilà, il on... n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires, mais depuis que je suis passé sur PC, depuis que je, je sens un petit peu plus YouTube à mettre un peu plus en avant, euh, j'ai un peu plus de commentaires qu'avant. Euh, les avis sont un peu plus constructifs qu'avant. Je pense qu'il y a aussi une part de moi, c'est aussi que j'ai changé mon contenu, je l'ai amélioré, enfin je l'ai changé, je l'ai peaufiné surtout. Euh, et j'ai changé mes, mes miniatures, j'ai changé le fait de mon micro, j'ai changé pas mal de choses, j'ai changé mon setup, j'ai changé pour que ce soit qualitatif euh, au plus et au mieux, et que vous que ce soit compréhensible et tout. Voilà. Euh, évidemment, euh, bon, les droits d'auteur, euh, ça c'est les vidéos que du coup j'ai aussi signalées malheureusement, euh, qui ont été supprimées aussi. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, pour aider la chaîne, essayez d'aider. Il faut qu'on arrive aux 4000 vues de Rocky et 900... Euh, euh, 900... Euh, les 1000 abonnés pour euh, pouvoir avoir les mises en avant davantage. Moi, la monétisation, encore, ça m'intéresse pas, mais la monétisation, c'est aussi mettre en avant le les, les contenu, et euh, vraiment, j'ai hâte, vraiment, à ce que ceci, ce quota, soit rempli, histoire pas pour la monétisation, ça, rien à foutre, euh, mais histoire que la monétisation aide à mettre en, en avant, parce que oui, depuis que... Euh, avant, j'avais la monétisation, mais depuis qu'elle a été désactivée, et bah, euh, tout simplement, euh, mes vidéos sont beaucoup moins vues et beaucoup beaucoup moins mises en avant euh, qu'aujourd'hui qu enfin que qu'avant qu quoi du coup voilà euh, donc personnalisation de chaîne hein, vous pouvez avoir aussi avoir les voir sur l'accueil tout ça c'est vous pouvez les retrouver à l'accueil d'ailleurs on va aller vite fait euh, Hop on va aller vite fait sur la chaîne. Comme ça, je vais vous montrer le, 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 le total. J'ai changé ma, ma, ma bannière aussi. Vous pouvez avoir mon partenaire Amazon. Vous pouvez avoir le Instant Gaming. Parce que oui, je suis redevenu partenaire à Instant, Instant Gaming. Vous pouvez avoir mon Discord MRFool en cliquant ici. Vous avez la chaîne Twitch. Mon Instagram aussi, qui est aussi dans la description. Si je ne me trompe pas. Non, il est pas dans la description. Lui, lui il n'est pas dans la description, par contre. Euh, mais il est juste ici. Et je ne sais pas si je l'ai mis ici. Mais il me semble que si. Voilà, bon, ici vous avez partenaire Amazon, Instant Gaming, Twitch, le site de l'équipe, euh, le YouTube qui est encore disponible, la page MRful, Instagram, Discord merful partenaire Amazon. Et d'ailleurs, hop, on va cliquer sur le site de l'équipe. C'est de l'équipe qui a été améliorée et mise à jour. Euh, vous pouvez aussi désormais... Alors, vous n'êtes pas obligé de vous connecter, mais vous pouvez désormais discuter avec les gens. S'il y a un jour il y a des gens qui se connectent un jour dessus. bah En fait, on a mis en place ce genre de truc pour, pour que vous puissiez des... Euh, Parler aux gens, vous pouvez aussi vous connecter. Vous avez deux choses soit vous vous connectez avec mon, votre compte Facebook, soit Google, soit vous créez euh, une adresse mail euh, directement sur le site. Moi, évidemment, je vais me connecter avec mon compte Emmerful euh, pour vous montrer les choses vite fait. J'ai pas encore mis à jour le site euh, ce mois-ci parce que j'ai pas eu le temps euh, à faire, mais voilà. Vous avez les photos en accueil vous avez les photos Red Dead. Euh, Red West pour le semi-RP, voilà, et vous avez aussi en vous connectant des exclusivités membres, donc là par contre je vais vous les montrer très rapidement, parce que normalement au début, vous n'êtes pas censé les, les voir, puisque c'est des trucs qui ne sont pas sur le Discord, euh, qui ne sont pas partagés sur le Discord, voilà je vous les montre très rapidement, euh, donc euh, voilà, vous avez les pages serveurs, bon ça je vais peut-être le modifier, ça sera peut-être bientôt disponible sur la barre qui est ici, euh, donc avec le, le, le serveur euh, Tough Life, le Red West et le Discord Full qui est aussi accessible ici. Voilà, et vous avez le compte, etc. Vous pouvez savoir euh, les membres en cliquant ici, combien de membres, etc. Il y a des gens qui ont commencé à rejoindre le, le site. Hein, vous pouvez voir, bon, il y a peut-être un qui a déjà quitté, mais regardez, il y a quand même quelques petites personnes qui ont rejoint le, le site. Vous pouvez le rejoindre, et en plus, vous pouvez aussi parler avec les membres du site, euh, s'il y en a qui sont en ligne, évidemment. Bon, en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant actuel, donc il se peut que vous pouvez toujours attendre pour avoir une réponse. Mais voilà, voilà pour le site, pour la partie. Euh, ma description a été mise à jour aussi. Voilà. Euh, et comme je vous ai, je vous ai dit, à l'accueil, vous pouvez retrouver la playlist du mois qui est mise à zéro, à zéro tous les mois. Euh, vous pouvez voir les vidéos de l'année 2021. Du coup, elle a été renommée. Avant, c'était la vidéo... Euh, la vi euh, je ne sais plus si c'était la vidéo du jour ou la vidéo machin. Et ça, ça a été renommé en vidéo de, de l'année 2021. Pour, et là-dedans, là vous avez toutes les vidéos de l'année 2021. Ju juste ici, tout ce que, toutes les vidéos qui sont sorties. Vous avez toutes les vidéos de Rockstar Newswire. Euh, donc qui pour GTA et Red Dead Online, évidemment. Euh, donc toutes les vidéos qui sont ici. Vous avez toutes les vidéos et les Speed FR dès l'accueil. Vous avez aussi les vidéos euh, donc Sarah DW. Donc euh, bon, j'ai mis saison 1, mais il n'y en aura qu'une seule saison. Euh, et euh, du coup, voilà, vous avez tous les épisodes. Vous avez aussi la saison 1 de Sérieux sur l'accueil, la saison 2 de série sur la, sur l'accueil aussi, et la saison 3 la sécheuse. Et vous avez aussi accès à toutes les vidéos populaires. D'ailleurs, merci, la vidéo astuce pour Reddit Online, comment commencer confortablement Reddit Online, elle a fait quand même 1000 vues. Et euh, je vous remercie tous. Euh, je suis content de voir que, bah, en fait. Euh, euh, tout ce que je vous apporte euh, vous aide, ça fait plaisir. Euh, moi, mon but, c'est que, euh, évidemment, j'ai commencé à faire ce, ce genre de contenu pour vous aider et euh, surtout parce que euh, j'en ai marre de la majeure partie des youtubeurs euh, qui dépassent. Euh, je ne vise personne, je ne vais citer aucun nom, mais euh, j'en ai marre des youtubeurs qui atteignent les 100 000 abonnés en moins et qui commencent à prendre la grosse tête et euh, qui finissent par mal expliquer les choses ou alors euh, faire des modes, faire des machins, faire tout et n'importe quoi, et au final ça devient du brouillon. Et euh, du coup, mon but euh, de faire ça, c'est de remplacer un petit peu euh, ce genre de contenu sur YouTube, enfin tenter, euh, et de vous donner vraiment le plus d'informations possible J'ai commencé à se trouver un autre format pour les rosters newswire. -nous -nous au lieu de vous parler, au lieu de le lire ensemble, je vous fais euh, euh, un petit bref euh, débrief e des nouveautés avec une petite bande son relative par exemple à GTA ou euh, Raid Online. Et puis, euh, et puis voilà. On est quand même à 26 minutes de vidéo, hein. c'est la preuve que j'ai écrit parce que du coup je pense qu'on serait plus à 40 minutes et euh, j'espère que cette vidéo euh, vous aura plu, merci à ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore euh, abonné, en tous les cas on va aller regarder ensemble le nombre de personnes qui n'est pas encore abonné mais qui regardent ma chaîne, on va regarder ça maintenant avant de se laisser là dessus. Ok, ça voulait pas. Euh, du coup voilà, regardez, on, on commence à pointer petit à petit, hein, euh, 3000 vues et ça commence à à peu près comme d'habitude, etc. Bon là il y a la tension parce que je crois qu'il y a une erreur avec, euh, avec YouTube. Euh, audience, je crois que c'est ici qu'on peut savoir combien de personnes sont abonnées. Donc on a euh, 33%. Ah avant je crois qu'on était à 30%, il y a quelques personnes qui ont activé la cloche. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il fait 300 Il y a quand même pers 300 personnes qui ont activé la cloche. Et 112 personnes qui n'ont pas activé la cloche. Vous attendez quoi pour activer la cloche Activez, activez, activez. Voilà, euh, activez la cloche. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le quota de euh, tout simplement de spectateurs réguliers, on est à 6, et specta euh, nouveaux spectateurs, 91. Ok, bon. Je vois pas pourquoi tu... Allez, enlève ça toi. Voilà. Euh, donc, abonnez-vous et activez la cloche, évidemment. Hein, on a... On est à 112, 112 personnes qui n'ont pas apparemment activé la cloche et 300 personnes qui ont activé euh, euh, la cloche. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vrai parce que j'ai 900 abonnés donc c'est très bizarre. Donc on est à 10 et 30% de personnes voilà, qui ont activé en, en gros et pourcentage qui n'ont pas euh, activé. On est euh, à peu près. Euh, voilà, enfin bref, je sais pas si ce c'est entre 10 et 30 je dirais. Mais bref, voilà. Et vous êtes 94 personnes à être non abonnées à la chaîne. Euh, et en plus, hein. Euh, Activité des spectateurs qui ne sont pas connectés à YouTube ou abonnés à la chaîne présent à la, à la vidéo qu'ils regardent. Vous êtes 94 Abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Et en plus, vous êtes 5%, euh, 5,2% à être abonnés sur la chaîne. Hein, C'est écrit là, activité des spectateurs qui sont connectés à YouTube et abonnés à la chaîne présentant à la vidéo qu'ils regardent. Voilà, hein, euh, donc abonnez-vous. Hein, je ne mange pas <laughs> et je vais pas vous prendre par un an pour vous abonner. Mais abonnez-vous, puisque si vous êtes euh, quand même aussi nombreux, c'est que la chaîne vous plaît. Euh, sinon, sinon, vous vous torturez l'esprit dans ces cas-là. Mais euh, bon, du coup, ce n'est pas mon problème. Ce <laughs> serait un peu bête. Vous êtes entre 18 et 24 ans. Bon, je pense plus que c'est un petit peu mélangé. Hein, 25 et 34 ans à regarder mes vidéos. Vous êtes plus essentiellement des hommes à me regarder. Bon, il y a 1,2 de femmes à me regarder aussi. Euh, aucun souci, vous êtes 98%. Sous-titre français, vous êtes à 1,4%. Et vietnamien. Il y a des vietnamiens qui me regardent D'accord. ok, Et en France, vous êtes euh, 64,3%. Euh, Belgique, vous êtes à 1,1% à me regarder. L'Algérie, vous êtes à 0,3% à me regarder. Le Maroc, etc. Bon, ça, c'est la base de ceux qui me regardent le plus. Donc voilà. Bref. Voilà, ça fait plaisir de vous parler, de, 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 de montrer ma facecam, parce que c'est pas tous les jours que je montre ma facecam, et que je vous parle de, de vous à moi, et que je vous regarde pour vous, pour, pour vous parler, pour vous dire les choses. Et euh, voilà, merci à ceux qui s'abonnent, merci à tout ça. Et de toute façon, là, le, 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 RP, euh, le RP bus que j'avais fait sur GTA 4, euh, j'avais expliqué justement euh, sur euh, euh, tout simplement la. Euh, pourquoi je continue le RPG Xbox et pas sur PC. Donc je vous invite à aller, à aller la voir, évidemment, euh, si ce n'est pas encore fait. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai été compréhensible, n'hésitez pas de commenter, de partager. On se retrouve pour d'autres vidéos. C'était Monsieur Foul. Ciao. Bye bye